Chez Carrefour 4640 Toyota ou Volkswagen, les prix, la qualité et le service sont impeccables. Sur place, vous y retrouvez une très grande salle de montre, du personnel au service qui seront attentifs à ce que vous leur dites, une salle d'attente ou un service de limousine lors de vos entretiens et plusieurs mécaniciens qui s'occuperont de votre véhicule. Alors, n'hésitez pas à venir voir tout ce qu'ils offrent. Le groupe Thomas Marine vous offre un très grand choix de bateaux. Avec 5 succursales et 3 marinas, ils ont le plus grand inventaire de bateaux au Québec, donc les prix sont excellents et le service est hors pair. Je vous invite donc à venir voir tout ce qu'ils offrent en inventaire. Le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Mike et son fils Philémon. À ce qu'il paraît, ils ont plusieurs acteurs à nous présenter. On a une magnifique journée. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'avoir des prises. Suivez-nous. Est-ce que j'ouvre? Oui, c'est bien. Oh, yes. Bon. Aïe. Tu parles pas beaucoup, Philémon, mais ton père, mon homme, hein? Aïe, t'es-tu content? Ouais. Elle a l'air d'être belle à part ça. Prends ton temps, Philémon. Oh! Aïe. Oh, écoutez. Je dois garder mes distances. On se garde à un mètre. C'est là qu'on en est rendu. On a Mike, Philémon, son fils. Ils m'ont invité à faire une belle pêche avec eux autres, passer un beau moment de pêche. Ils pêchent eux souvent ensemble. Alors, je vous dis, on s'amuse. On vient d'arriver. Philémon, il était concentré. Il parlait pas beaucoup. Mais il voulait sortir le premier. Moi, j'en ai manqué un. Mais là, il a fait honneur parce qu'il est beau. Très bel achigan. Je suis vraiment content pour toi, Philémon. Vraiment, là, t'as sorti ton épingle du jeu, là. Hein? Hey Philémon, là, félicitations. Vraiment un très, très bel achigan. Puis là, toi, là, je regarde ton leurre. Il y a un petit peu d'usure, hein? Oui, ça fait longtemps que je l'ai. Ça, c'est-tu ton leurre préféré par hasard? Ben, ça fait longtemps que je l'ai. Puis quand je l'ai vu en magasin, j'ai dit, ah, il va être bon, lui. Puis on a ramassé du poisson. Juste à l'œil, t'as vu ça, toi, là, que c'est l'heure d'après. Puis garde, t'as fait quelques lancers, puis t'étais très concentré. Tu voulais en sortir un, hein? Ouais. D'après moi, là, celui que j'ai manqué, c'est peut-être celui-là. En fait, non. Là, Philémon, je te laisse relancer parce que là, on commence la journée, ça va bien. Puis c'est beau de te voir aller, t'es vraiment concentré. Puis je t'en souhaite d'autres super beaux comme ça encore. Je te laisse y aller. Ouais. Hey, Lucie, elle se déplace, elle se promène. Là. Oh. Elle cherche de la nourriture. La main Razor, là, c'était ça? Ouais. Ah, ça, là, c'est excellent. On fait un test. Blanc. Ça fait pas tellement longtemps qu'on pêche avec ça. Les... Hey, ça, là, mon Dieu de quoi? Ils ont resté dans mon petit coffre parce que ça, c'est excellent. Yes! Bon, Philémon vient de la manquer, mais moi, elle est là, juste sur le bord. Oh! Nice job! Hey, il y en a deux, il y en a une qui suivait! Oh! Hey, gaga, elle est là! Elle est juste en arrière! Elle suit l'autre achigan! Ah, un peu! Yes. Oh, beau laitage, ça. Ah, wow. Tu l'as... Oh, yes, sir. Bon, on a fait un beau travail d'équipe. Mike m'a aidé. Elle avait vraiment bien avalé, mais écoute, avec des mains de fée, de magicien plutôt, parce que c'était un homme.
il m'a enlevé le net rig. Regardez la belle qualité de pêche qu'on a ici. Ça, là, en passant, là, regardez les lieux, c'est le spot à Philémon. Parce que Philémon, il venait de dire à son père, non, on n'est pas à bonne place, là, avance-toi. On a juste changé de peut-être centaine de pieds, Mike? À peu près 100 pieds. Ouais. À peu près une centaine de pieds. Puis Philémon en a manqué un. Moi, j'en ai eu une. Puis en plus de ça, à deux, trois reprises, on la voyait qu'il y avait un autre qui la suivait. Fait qu'ils sont ici. On remet ça à l'eau. Au revoir, chérie. Merci pour le beau spectacle. Que c'est le fun, cette pêche-là. Wow! Puis en bonne compagnie, quoi demander de plus? La température, les captures, la belle camaraderie. J'ai bégayé, là. La belle camaraderie. Puis la distanciation qu'on respecte quand même. Fait que, on change de spot. On s'en va à un autre secteur. Là, Philémon ne veut pas me le dire, mais ça a l'air que c'est un autre secteur hot. Le premier secteur qui nous a amené, c'était hot. On s'en va dans un deuxième secteur maintenant. Là, c'est à mon tour. Puis reste-moi. Là, c'est à mon tour. Là. Ça, c'est l'heure que Jean-Martin a développé. Ouais. Trick shot. Trick shot, c'est vrai. Oui, 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 oui. Oh, oui, oui, oui. Oh, oui. Oh, my God. Oh, là, 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 finalement. Oh, la piste. Une de mes belles. Oh oui, oui. Tu m'as parlé que tu avais un record à battre, hein? Oui. Je pense que à l'œil vite fait, là, t'es pas loin de ça. Écoute, t'es proche, t'es proche, t'es proche. Mets-toi ici, bébé. Oh oui, bébé. Oh oui, bébé. La tête, la tête, la tête. Oui! Yes! Ouf! On va-tu? Oh là là, là là. Oh là, oh là, on là. On parle de quelque chose, là. Hey, check it! À l'automne, on appelle ces poissons-là des ballons de football. Puis regarde ça, comment est-ce que la bédaine, c'est fou, c'est malade! Aïe, 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 tu mesures ça? 49 cm. C'est... 40... Hey. C'est... Écoute, elle a eu un beau combat, OK? je te félicite. T'as changé de technique. Tu peux-tu la mettre à la vie pour qu'elle décompresse? Après ça, on les remet tous à l'eau. J'aimerais que tu nous expliques un peu comment tu t'es pris, parce que tu venais juste de changer d'approche. Oui. Alors, tu peux-tu nous expliquer ce que tu as fait? C'est le drop shot, on appelle le drop swimming. On lance, puis on ramène dans le courant tranquillement, puis avec le petit trick shot de Z-Man qui, c'est qui est fait pour ça. Là, qui... ouais. Puis, qu'est-ce que j'aime bien, c'est que j'ai mis un hameçon sec au bout. OK. Fait que moins de chance qu'elle reste pris dans le fond de la gare, elle est pris sur bord avec un hameçon sec. Même ceux qui pêchent le requin, même affaire. Ouais, exact. Puis j'ai moins de prise dans le fond de la gare avec ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé puis que j'aime bien. Que là, j'aime bien faire pour mon montage. Je suis si je te coupe. Là, les gars, là, Philémon, tu nous as amené à ton spot ici, là. J'en ai pris une. Mais ton père, il a pris une grosse en temps. Ouais. tu te sens-tu un petit peu, je veux dire, challengé par ton père, là? Ouais. Philémon, je vais le taquiner un peu aujourd'hui parce que c'est un passionné de pêche. Il est toujours avec son père, puis les deux ensemble. C'est pour ça que je voulais venir avec eux autres, parce que je vous vois aller sur Facebook, les gars, puis vous êtes beaux à voir, vous aimez la pêche, vous êtes des passionnés. Puis quand tu m'as parlé cette semaine, tu m'as dit, regarde, on va aller prospecter. Puis hier soir, t'es venu. Hier c'était... l'ouverture de l'Achigan. T'es venu hier soir.
on cible la Chigan, mais on va peut-être changer aujourd'hui. Hein? On va peut-être faire d'autres choses. Ouais, on va aller un petit peu de brush après-midi, on va aller dans les petites baies. Là. On va aller faire du brochet peut-être aussi. Mais là, on s'amuse. Puis une chance d'être là pour se tasser de 100 pieds parce que on allait rester longtemps à l'autre fois dans la taverne nous. On continue. En plus, ça, c'est une de mes techniques préférées. Il dit, ah, change, mène-lui. Moi, je suis comme, non, je vais regarder drop shot. Toi, t'aimes ça, le drop shot? Ouais. Ouais, lui, plus drop shot, moi, je suis plus Ned Rig. Okay. Notre technique, lui, il aime bien drop shot. Et... Moi, j'aime bien Ned Rig aussi. Parce que Ned Rig, j'ai pogné tout avec ça. Ouais, ça, c'est... Tout. C'est sûr que sur le bord de l'eau, par exemple, je suis en Ned Rig. Ah, oh, ouais. Hey Mike, t'as de la merde? Oh, t'as mal. Bon, arrête d'avoir goûté. Une petite vigoureuse. Oh, écoute, qu'est-ce qui arrive, c'est que je l'ai lancé en avant. Filémon, il voulait pas parce qu'il m'a dit que c'était pas bon, mais j'ai essayé pas d'aller l'écouter pareil parce que. Sinon, il garde tout le meilleur côté du bateau pour lui. Mais en tout cas, nous autres, moi et Mike, on essaye de se débrouiller pareil. Mais par sa part, j'ai lancé en avant, j'ai ramené, je grattais le fond. Technique différente. Mike, vous avez vu, il a pris avec drop shot. Filémon, il a pris avec un leurre, Yuzuri. Puis moi, ben, j'étais avec le Ned Rig. Puis c'est un leurre-là. Moi, j'adore ce leurre-là. On a trois bonnes présentations. Mais quand on aime une présentation, puis qu'on y va avec, ben, ça nous facilite le travail. Puis on a plus confiance aussi. Fait que là, je vais prendre un break. Non, je vais continuer. Ben, c'est trop le fun. Et puis là, il y en a un autre qui s'en vient. Waouh, elle est effrayante. Mike! Pour rien dire de plus, là. Un doublé. Hey, ça va. On change de secteur. Oh, mais là! Ah, oh, ben. Eh, Seigneur. Là, hein, on peut pas dire que c'est une histoire de pêcheur, là. Non. On a eu un doublé. Filémon, il va en s'en aller, il a dit, moi, je continue. Il nous a fait ça live. Fait que c'est pas une histoire de pêcheur. Puis là, lui avec, ce petit leurre-là, un autre leurre, Yuzuri. Et voilà. Ben, des pinces, tu veux des pinces? Dans la région. Oh! Wow! Hey, yoï. Puis là, je vous vois aller, là. C'est le fun parce que c'est une belle relation père-fils. Puis l'élève est sur le bord de dépasser le prof. Mais ils se donnent beaucoup de conseils un et l'autre. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Hey les gars, je veux vous remercier pour la belle journée que vous m'avez offert. On a eu du plaisir. Écoute, il est de bonne heure. Il est quoi, midi et demi à peu près? Oui. Midi et 30. On a pris du poisson dans tes spots. Hein? Puis tu nous as bien guidés, tu nous as amenés à des bons endroits. Le lac Saint-Pierre, il est à découvrir, il y a de la belle pêche à faire. Puis n'hésitez pas, hein? Remettez les poissons à l'eau pour que des jeunes comme lui puissent en bénéficier jusqu'à temps qu'ils soient rendus à mon âge, à moi. Non, sérieusement, les gars, je vous remercie encore une fois. Puis si vous avez des suggestions de tournage, n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook. Ça va nous faire plaisir d'aller vous rencontrer et passer une belle journée avec vous. Sur ce, nous, on se dit à la prochaine.